Eh bien, bonjour à tous, c'est moi. Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu qui est le premier jeu que je teste ce soir, hein. Toy Story 2 sur PlayStation 1. Donc, je propose de commencer ça tout de suite. J'ai voulu jouer aux Simpsons aujourd'hui, mais j'ai eu un problème avec l'émulateur. Donc, je n'ai pas pu jouer aux Simpsons. Je vous invite à regarder une diffusion que j'ai faite il y a quelques temps sur un jeu. Ah, il y a des scènes du film, je ne savais plus. Un jeu qui s'appelle Mickey, je ne sais plus quoi, très obscur comme nom. Du coup, je me lance ce soir dans ce jeu. Et je ne me suis pas lancé dans un autre jeu juste avant. Totalement faux. Que voulais-je faire ou dire déjà? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc oui, Toy Story 2 du coup, qui est la version PS1 du titre, avec l'on va jouer ce soir. C'est... Comment dire? Toy Story, c'est vraiment la trilogie de dessins animés que je préfère au monde, devant tout ce que vous voulez. Le 2 qui est le moins bien, mais qui est le mieux en jeu. Alors oui, j'ai remarqué qu'il y avait un petit problème sur l'émulation. C'est, voilà, Buzz l'éclair qui est dégueulasse au niveau des ombres. Je sais pas pourquoi. Là, ça va. Là, ça va plus. Voilà. Je m'en excuse. Mais vu que là, tout de suite, maintenant, j'ai pas mieux comme jeu. On va faire avec. Oula, par contre, c'est une vraie passoire. À contrôler avec les... Les flèches. Donc voilà, on a fait un jeu PS1, on se retrouve à en faire un autre, ce qui était absolument pas prévu. J'ai envie de dire pourquoi pas, hein, mais bon, je vais pas passer les. Ça en fait c'est le didacticiel, je vais pas le faire vu que je connais le jeu. Si peut-être pour l'obs, je sais plus ce qu'il va me demander. Une fois sur la touche de saut, puis appuie à nouveau dessus. Oui, c'est juste pour faire un double saut, ok. Y a pas de souci. Le jeu, celui-ci, est finalement assez simple. Il y a plusieurs jetons à ramasser pour finir un niveau à 100%, avec plusieurs tâches à faire, par niveau. Ouais, c'est pas très très dur. Du coup, la fin de ce live, vu que j'ai commencé un peu plus tard que d'habitude, pour des raisons, voilà, voilà, il finira aussi un peu plus tard, hein. Je ne vais pas streamer jusqu'à 21h, mais un peu plus. Comment je passe? Oui, alors. Pour viser avec ton laser, sers-toi de ton viseur, appuie sur la touche. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Je voulais savoir, je voulais savoir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y en a encore un là. Voilà. C'est quoi de ça? Mais c'est Toy Story 2, enfin. Mais ouais, l'émulation bug, je sais pas pourquoi. Je suis vraiment déçu de pas trouver un bon jeu qui a pas de bug ou quoi ce soir. Mais là, c'est tout ce que j'ai à offrir. Mario Odyssey. C'est quoi Mario Odyssey? Mario 64. Ah! Mario 64, pour l'instant, je peux pas. Je rencontre des problèmes aussi avec. Je rencontre des problèmes avec plein de jeux, mais j'essaye de trouver des solutions en fait. J'essaye déjà d'en trouver pour les Simpsons, hein, parce que sincèrement, j'ai envie de faire les Simpsons. Mais si on s'engage sur Toy Story 2 sur PS1, on va faire Toy Story 2 et puis basta. Hein. Bayonne est assis sur le canapé du salon. Merci. Mais il est bien ce jeu, sincèrement. Mais c'est l'émulation là. Le dos de Buzz l'éclair, normalement, il devrait pas être tout noir comme ça. Ça, je comprends pas. C'est un problème d'émulation, encore une fois. Mais après, c'est pas dérangeant, quoi. On va passer un bon moment sur le jeu. Vous inquiétez pas.
De toute façon, c'est toujours tout ce qui est nouveau qui est frais. Je peux le comprendre. Allez, viens. On va te battre, toi. Ah. Bat le robot en fer blanc si tu veux obtenir un jeton. Ok, je sais plus comment il faut faire. Là, c'est... Le... Pardon. Je vais y arriver. Les touches sur une manette de Xbox, elles sont... Qu'est-ce qu'il a fait? Très chiante à manipuler. C'est la chiasse. Allez, bordel de merde. La musique est forte, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux régler ça juste après, c'est pour ça que je demande. Allez, on l'a bientôt vaincu. Ça va, bon bah si ça va, ça va. J'ai l'impression qu'elle est très forte, c'est pour ça. Oh, par contre, j'avoue que ce boss-ci n'est pas très passionnant. Ouais. Je pense que le prochain coup lui sera fatal. Voilà, c'est sûr, les gamins, ils vont être contents bientôt sur la chaîne des Titounis. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, parce que Mickey, c'était pas enfantin. Hein? Quitter le niveau, bien sûr que non, on continue à jouer. Non, pas du tout, bah non. Ouais, c'est ce que je dis. Je le sais, sinon je le dirais pas. Me rappelle plus de tous les jetons à avoir avant. Je peux pas me rappeler de tout. Déjà que sur Eman, je me rappelais de certaines choses qui se sont avérées très fausses. Ok. Même le jeu veut que tu quittes. Mais non, c'est parce qu'en fait, tu as plusieurs jetons à ramasser par niveau. Et tu peux en ramasser... pour aller au deuxième niveau, tu peux en ramasser qu'un. Après, je crois que tu dois avoir un total un peu plus élevé pour le niveau 3. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Ça bug ou c'est moi? C'est possible que ça bug. Putain. Il y a... Je sais que l'émulation bug par rapport au dos de Buzz. Mais j'ai quelques problèmes à chaque fois que je stream sur mon PC. Ah, je bug aussi, arrête. Je vais encore devoir laisser tourner ce stream. Ça me saoule. Allez. Allez, petit. Alors. Ouais, c'est quand même pas le meilleur buzz éclair du monde. Il tire des vrais lasers quand même, celui-là. Si ça, je dis rien. Putain, j'aimerais bien avoir la pièce. À chaque fois que je suis un ennemi, je vais pas la prendre tout de suite celle-ci. Je vais aller chercher les moutons qui sont là-haut. Putain, puis la caméra qui tourne pas, c'est un enfer. Ah, le voilà, ça c'est vraiment un problème des premiers jeux 3D
PS1, c'est cette caméra qui ne tourne pas. Est-ce que ce haut-là, c'est parce que ça bug beaucoup? Saute. Tu meurs pas. Ben, je sais que je ne meurs pas, mais tu voulais que je saute de quoi? Là, il y a un truc, mais. Je crois que normalement dans cette pièce il y a plus rien à prendre en particulier. Allez hop. Non, c'est pour le jeu MDR, ok, ça marche. Moi, tant que je bug pas, ça me va. Oui, pour la pièce, oui, j'avais bien compris du coup. Bon, allez. Non. Il y a Bayonne qui est sur le canapé. Et t'en faut combien? 50 pièces. C'est abusé un peu. Ah, j'en ai que 18, hein. Enfin, 17 du coup. Ouais, 17. Ah, c'est d'une chiantise à manier quand t'es pas. La bonne manette, je vous jure. Ok, pièce de Monsieur Patate. Je sais plus s'il y en a plusieurs par niveau de pièce de Monsieur Patate ou s'il y en a qu'une à chaque fois. Une petite vie, parce que c'est quand même compliqué jusqu'à présent. Donc normalement, il manque qu'un mouton et je crois qu'il est genre à la cave. Ou dans la salle de bain. T'aurais pu jouer aussi. Non, je ne jouerai pas, je l'ai déjà dit. Pas maintenant en tout cas. Mais après, je ne m'interdis rien. Je ne m'interdis. Oh là 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 là. Je ne m'interdis rien. Mais. J'avoue que. Je suis pas particulièrement attiré par ce jeu. Là, c'est vraiment chiant à manier. Je pense que ça se voit. Allez, grimpe. Donc le dernier mouton, il est là-bas. Je l'ai entendu me faire du rentre dedans, la salope de bergère. Oh là là, t'aimes rien, MDR. Mais si, c'est toi qui aimes rien. J'ai un public difficile, j'ai un public difficile. J'y vais, mais en mode balestec là, pardon. Hop. Putain de tasse. Allez. Allez, petit! Oh, dis donc, le jeu, il est coquin, il jette des boules de gaz. Eh, non, mais. Eh. Faut pas croire, hein! Eh. Allez! On dirait un vieux dessin animé, tu sais, la mouche. Pas du tout. On dirait absolument pas ça. Je vois de quoi tu parles, mais. Putain, mais la caméra qui. Par contre, fais un effort, frérot, là. Ah, c'est vraiment la caméra, le. Putain! Je te jure, cette caméra. Allez. Allez, mais. Il fait un saut de mouton!
Mais shot! Mais shot! Mais shot! Putain! Et j'en ai marre! J'ai l'impression que cette soirée est désastreuse. Ah! Voilà. Il faut juste que je trouve le moyen d'aller voir l'autre salope. Allez, allez. Mais je les ai déjà trouvés. 5! Putain! Mais il y en a que 3 dans le dessin animé! Reviens voir et je te donnerai un jeton Pizza Planet. Super. Du coup, je crois qu'il en reste 2 pièces, le garage et puis le grenier. Le grenier, le câble. Putain, mais... Oh, cette descente. Allez, dis-moi qu'il y a qu'un seul truc à te ramener, par contre. Super, merci Buzz pour te remercier d'avoir trouvé mon... Noreille, je te passe le bouclier cosmique. Il ne te protégera pas des attaques très longtemps, alors fais-en bon usage. T'inquiète, on va y arriver. Ah, mais cette passoire, putain, il a esquivé toutes les pièces. Il n'en a pas pris une seule, quoi. Ah, il en a pris une, autant pour moi. La vache. Silence, bergère, écrase ou j'écrase tes moutons. À l'aide, à l'aide. Le blog, à l'aide. En commentaire. Par contre, j'entends encore un mouton. J'ai pas toutes les pièces. Là, il y a un truc. Qu'est-ce que je suis censé faire? Alors. Je pense que je dois encore monter. Si je veux bien. Mais putain, mais... Nique ta mère. Salut, Buzz. Oui, salut. Allez. Allez, cette fois tu les ramasses. Allez, il en restera plus que 5 pour Bayonne. Il en restera plus que 4 pour Bayonne. Allez, 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 enlève-toi, j'en ai plus rien à foutre. Voilà. Bon, du coup, on repart sur... là-dessus. Faudrait que j'aille là. Ouais, je pense que c'était ça. Qu'est-ce qu'il est malhonnête? Oh, ouais. J'ai le droit d'être malhonnête si je veux. Tiens. J'aimerais bien trouver un autre système pour la caméra là parce que. Ça marche pas. C'est chiant. Qu'est-ce que tu me proposes si je vais parler en fait? Ça, je comprends pas. Ok, ouais, j'ai ce qu'il faut pour Bayonne. MDR, c'est de l'art gros lard. Bah oui. Évidemment que c'est de l'art gros lard. Faut que j'aille par là, du coup, je suppose. Ouais, il y a des choses à pousser, je comprends pas. J'ai peur de me casser la gueule avec cette caméra. C'est incroyable. Allez, pousse, 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 pousse. Si je fais ça... Mets-toi bien, putain. C'est infernal, la caméra elle est infernale. Je me répète, mais... Impossible, quoi. Allez, petit. Allez. Normalement, on est bien là. Déménageur de l'extrême. Ah ouais, mais à fond quoi. Ouais. Alors, on va continuer à jouer, hein. Je sais pas si je peux voir. Non, je peux pas voir. Combien il me reste de jetons à avoir. Mais par contre, une fois que je les ai tous, il va quitter le niveau automatiquement. Ça, je sais.
Ah ouais, le délire, il faut que je remonte pour aller chercher le putain de bouton que j'ai pas eu. J'y pensais plus à ça. Oui, c'était comme ça. Très bien. Allez. Allez, va dans le métro, Satanas. Voilà. On peut partir d'ici. Normalement, c'est bon. Là. J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Ah bah là, pour l'instant, ils volent pas, hein. C'est sûr. Ils sautent, mais vraiment petit à petit, quoi. C'est pas serein du tout, le mec. Génial. On va aller voir ma couille. Ok, c'est mieux de passer par là. Si je suis pas bloqué. Voilà, parfait. On en chie, hein. Putain, mais. Ouais. Bien joué, Buzz. Voilà ton jeton Pizza Planet. Merci, frérot. Oh. Ici, j'ai jamais été, visiblement. Mais il y a des trucs. Je suis pas sûr d'être monté, en fait. Mais normalement, moi là. Je dois aller dans le garage et puis c'est tout. Normalement. Je sais plus où est le garage. On leur tourne pas là-bas, c'est marrant. Là c'est la cuisine. Ok, donc c'est pas par là. Là je me bloque à chaque fois comme un con. Ah, il y a le garage. Tu n'es qu'un jouet, tu ne peux pas voler. Ouais, je sais. J'y arrive pas. Mais en plus, il est pas souple dans ses sauts, j'ai l'impression. C'est genre une bouboule qui sort de la cantine, quoi. Et qu'à court de PS juste après. Je précise que c'est de l'humour, je suis gros moi-même. Je me fasse pas attaquer par des gens si jamais je suis inconnu. Ça, voilà. Tu n'es qu'un pantin articulé. Ouais, en fait, vous êtes en train de réciter le film, totalement ok. Putain, le fichier. À lire, mais je suis pas sûr que ce soit bien nécessaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Putain, mais retourne la caméra! Voilà. Allez. Pourquoi le fichier ramasser encore les pièces? Parce que je crois que ça compte pas en plus pour le niveau d'après. Parce que les niveaux reproduisent à chaque fois quasiment les mêmes schémas. Boss. Jetons cachés à trouver, Bayonne, la bergère, etc. etc. Putain! J'allais avoir les derniers moutons, fais chier. Je les entends en plus, ils sont encore au-dessus. Allez, tourne la caméra, tourne la caméra, tourne la caméra, voilà. J'en ai rien à foutre, juste que tu tournes la caméra. Ok, encore une vie. Bebop Lula. C'est pas très Toy Story ça, non? Allez. Allez. Ah, il a vraiment raté un saut à la con tout à l'heure. Allez, attention, parce que là il va y avoir du sport.
Voilà, Fabien, on avait besoin d'Evie. Bah ouais, non, mais Evie, c'est... Salut Buzz, on fait la course, on doit faire 3 tours autour de la voiture. Si tu me bats, je te donnerai un jeton Pizza Planet. Ah oui, c'est vrai que c'est les noms de des moutons, bien vu. Ah du coup, il y en a que 3, ce que je dis, il n'y en a pas 5. Je te donnerai un jeton Pizza Planet, ouais, c'est bon. Ah, je... Attention, départ, 3, 2, 1. Allez, on y va. Les courses, c'est toujours impressionnant à voir. J'espère que je vais pas aller trop vite pour vous, parce que... Vous profitez pleinement de l'action, bah, j'espère, parce que... Blague à part, c'est difficile, parce que... Mes flèches de ma manette de Xbox, soit elles sont toutes petites... Et j'ai mon pouce qui est en train de glisser peu à peu, je vais bientôt lâcher. Et je peux pas la remettre correctement. Je sais pas si vous avez déjà vécu cette sensation-là. C'est un peu difficile à expliquer. Mais bien sûr, celui que... Alors, attendez. J'irai après à vos commentaires. Allez, allez. Ouais, c'est mon jeton. Alors... Bah c'est les prénoms des moutons, oui, c'est vrai ce que je disais tout à l'heure, bah oh là là, mais bien sûr que oui, on va faire la course, doucement gamin tu vas tomber, bah oui je sais, moins vite. S'il vous plaît ne critiquez pas, j'ai fini Rayman quand même, j'ai besoin d'un jeu facile. Je ferai aussi un jour hein, le Mickey Mania, c'est certain je le ferai, je me ferai chier. Mais quel joueur exceptionnel, mais je sais très bien madame, je sais très bien, commencez pas. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, Mickey Mania, je le ferai un jour aussi, hein, mais pas là. Là, franchement, c'était pas le jour, c'était pas le moment. On a passé une bonne semaine, on a fait un top 1 sur Fortnite, on a fait finir Rayman, on avait commencé The Last of Us, enfin. Il fallait pas. Il faut pas gâcher tout ça comme ça, c'est ridicule. Mais on a les 5 moutons, mais bien sûr qu'on a les 5 moutons, regarde. Tu as trouvé mes moutons, Buzz, merci, voilà ton jeton Pizza Planet. Alors, je crois que normalement, c'est le dernier à avoir du niveau, et du coup, on va s'arracher, là. Je vais faire quitter le niveau pour voir, en fait, qu'est-ce qui me manque, parce que... Je comprends pas. Pour moi, et... On les a tous. Bah oui, bah alors. Les objets, là, les items en bas... C'est des trucs qu'on va débloquer dans d'autres niveaux, je vais... Allez, on va voir la bergère, oh là là. Bon, si c'est pour critiquer, c'était pas la peine de viander. On va sauvegarder quand même, parce que j'ai pas envie de recommencer la semaine prochaine. Rayman, non, on va pas appuyer sur... Là, je sais pas, vas-y. Oh la gueule de Buzz, il me dit, ah, mais c'est de la PS1! C'est de la PS1! Évidemment qu'il va être pixelisé en hexagone. Il a pris un mur dans la gueule. C'est très drôle. En plus, on a des morceaux du film en moins bonne qualité que en DVD. Qu'est-ce que vous plaignez? Même en cassette, c'est le plus beau. Juste au cas où. C'est pour Woody quand tu le retrouveras. Je suis pas sûr que ça lui fera le même effet. Enfin, il va dire un truc comme ça. Je suis pas sûr que ça lui fasse le même effet. Voilà. Monsieur Buzz l'éclair, il faut que vous sauviez mon ami Woody. Je ferai de mon mieux, petit. Tout le monde est prêt? Alors en avant! Je me demande si mon immense expérience des jeux vidéo m'a donné assez d'habileté pour... Nous serons de retour... Avant le retour d'Andy. Et ne parlez pas aux jouets que vous ne connaissez pas. À la ferme d'Al et au-delà. Pareil. J'avoue, la bergère, elle voulait un peu le pécho, mais la bergère, c'est une salope, c'est ce que je disais, elle voulait le pécho tout le monde. Franchement, le film il aurait été que sur la bergère, ça s'appellerait Sex Toy Story. Hein.
Baisser un peu le son du jeu parce que bon, ça m'agace ses oreilles. Mais il dit que c'était pas trop fort donc ça va. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je me rappelle déjà. Alors, plus aucun souvenir déjà à partir de ce niveau-là, c'est cool. Prendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire de ceci? Il y a un... Ah, c'est un espèce de chasse-top, je crois, qu'il y a avec les soldats. Ouais, c'est ça. On aurait vu les jouets de la maman Mandy. Ah, bah oui. Le soldat se rendra vite si tu frappes aux pierres rapidement sur les taupinières à côté de lui. Ouais, c'est ça, c'est un chasse-top avec le soldat. J'avais raison. Bon, j'aimerais bien un petit peu quand même le retrouver, ce soldat. Ok, donc normalement ça c'est bon. Normalement. Putain, mais... Je pense que je vais essayer de trouver le truc qu'il faut faire pour arrêter ce truc de merde là avant. Attention à la tondeuse. Bah ouais, bah... C'est pas tous les jours facile, hein, vous savez. Ok, ça... Allez, 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 allez. Putain. Oh là là, il est pas sous. Oh là, vache. Mais en vrai, c'est pas le jeu qui est comme ça de base, hein. C'est la manette de Xbox qui est pas du tout adaptée à ça. Putain, j'ai vraiment l'impression de jouer avec Buzz l'éclair, mais la version contrefaite japonaise, quoi. C'est le Buzz éclair AliExpress en fait. Même si AliExpress c'est chinois, je sais, ne me reprenez pas pour dire ça, ça sert à rien. Depuis tout à l'heure, j'avance que je sais pas où je vais. Allez, mais putain, mais ramasse cette pièce quoi. La caméra, c'est un enfer. Ah. Putain. Si je monte, je peux aller sur la statue, je suppose. Une piscine, ouais, j'ai vu. On va y aller dans la piscine. Plonge. Mais je vais y aller après, attends, je... Attendez. Allez, petit. Ah. Il y avait une pièce en dessous de l'herbe que j'aurais pu escalader, bon c'est pas grave. Pas se faire chier pour une pièce. Allez, pousse-moi ça. Allez, petit. Voilà. Il a peur de rien, mais bien sûr que non, il a peur de rien, il veut aller sauver Woody. Meilleur poteau. J'ai pas eu. Ok, j'ai loupé plein de pièces. Mais je reviens au point de départ là, non? On est d'accord. Ah, j'ai trouvé un soldat. Ok. J'ai pas fait ça pour rien. Voilà. Toi, tu meurs. Bon, il y a quoi dans cette piscine? Ok, il y a encore une capacité là, mais que je ne peux pas utiliser pour le moment. C'est ce truc là. Ce truc là, je crois que, si je me trompe pas, c'est... Il faut rendre ce que Monsieur Patate a perdu, genre son bras, sa jambe, son nez, enfin bref. Pour pouvoir l'utiliser, pour l'instant, je n'en suis pas capable. Où est-ce que c'est? C'est là, normalement. Voilà. Putain, mais... Regarde bien, tu vas être coincé. Coincé où? Coincé nulle part, là. Ah bah non. Bon, voilà.
À mon avis, il doit encore y avoir un décalage de fou entre le chat et le moment où je parle. Parce que là, j'ai seulement vu le regarde bien, tu vas être coincé. Enfin, donc du coup, ça veut dire que j'avance plus dans le jeu que vous ne le croyez. Karting t'attend pour faire la course dans le jardin, mais attention, tu ne pourras pas la battre sans les jet boosts que tu n'obtiendras qu'en aidant Monsieur Padada. Ouais, c'est ce que je disais. Dans un autre niveau. Ça veut dire que ce niveau-là, dans tous les cas, je ne pourrais pas le finir à 100%. Alors, est-ce que je vais réellement me faire chier à le faire à 100%? Je ne sais pas. Je pense que dès que je vais trouver un... Ah, putain! Un jeton. Je vais quitter le niveau pour pouvoir passer à la suite et... et faire le reste, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le délire de l'arbre. Je sens que je vais m'amuser. Là, tout de suite, maintenant, je sens que ça va être bien. Allez. Surtout la caméra qui fait que ça va être bien. On va quand même prendre ça au cas où. Ouais, je t'ai ramassé, toi. Allez. J'ai entendu Bayonne. Ouais, je suis arrivé tout pile avec 50 jetons. Comme ça, je me casse direct. Pour quitter le niveau. C'est parce que je peux pas le faire entièrement, sinon je vais rester. Et vu que j'ai pas envie de faire 1000 allers-retours pour pas grand-chose. Mais quel curieux personnage, à toi maintenant. De quoi toi maintenant, tu veux que je dise la suite? Allez, sauvegardons. Il a complètement effacé ma sauvegarde Rayman, le salaud. Bon, de toute façon, je l'ai fait devant vous, Rayman. Donc, j'ai déjà prouvé mes preuves. Bombardement. Ah oui, ça va être un boss, tout simplement. Je sais plus qui, quoi, quand, où. Je sais que c'est un avion, mais je sais plus ce qu'il faut faire exactement. Ah, tout simplement, d'accord, ça a rien de... C'est un incroyable. Sidéral, putain, me suis fait toucher. Allez, allez, mais touche-le! Putain, mais... Incroyable. Voilà, il te jette de l'eau. Bah ouais, bah ça me fait mal. C'est pas négligeable. Hein. Putain, mais... Ah, voilà. Et puis moi, je suis en train de le flashouiller à mort. Hein. Enfin, de le clignoter à mort. Hein. Tu sais. Allez. Et en vrai, il faut vraiment être nul pour perdre une vie. Oh, et ça. Alors là, je te préviens que si je perds une vie suite à ta déclaration, ça va très mal se passer. Alors, en vrai, le jeu est cool, mais on peut pas s'en rendre compte parce que la maniabilité est pas ouf. Enfin, il faut l'avoir en main là. Mais le jeu est vraiment très très cool. C'est. Je vous assure. C'est clairement pas le jeu le plus difficile. Alors, en même temps, je voulais pas faire un jeu difficile, hein, comme je vous l'ai dit, parce que... Entre Crash Bandicoot et Rayman, c'est bon, j'ai ma dose. Je voulais vraiment faire un truc facile. Enfin, après, malheureusement, c'est pas les Simpsons, mais voilà. Ouais. Mais je vais essayer de régler le problème pour les Simpsons, que ce soit un des prochains jeux, quand même. Mais puis là, c'est un truc assez simple, donc... franchement, si après avoir fini ce jeu-là... je pense que je partirai sur un truc genre Donkey Kong, un truc un peu bien, un peu plus vénère. On
se fasse bien chier tous ensemble. Enfin, que vous me regardiez souffrir, du moins. Voilà, là par exemple, il a quitté automatiquement le niveau, c'est normal, il n'y a que ça à faire dans le niveau, mais quand tu récupères tous les jetons, il le fait automatiquement normalement. Ça. Si je ne me trompe pas. Oui, je vais sauvegarder. J'attends. Bande annonce bonus et. Encore un morceau du film. Ah, c'était un boss, ça. Mais bien sûr que c'était un boss, je l'ai dit avant de commencer. En vrai, il me semble que le dernier boss est quand même un peu plus complexe que ce qu'il y a dans le jeu. Après, il n'est pas non plus complexe. Complexe, c'est pas genre Rayman, quoi, mais. J'ai pas entendu. Bah ouais, je me doute que tu as pas entendu, sinon. Tu n'aurais pas dit ça. Vers l'infini et au-delà. Je suis quand même très très fan, donc vous m'excuserez. Disney qui a sorti, qui a annoncé, pardon, un film qui va sortir sur Buzz l'éclair, enfin Lightyear du coup, ça s'appellera que l'éclair, enfin je sais pas comment ça s'appelait exactement, mais qui sera un préquel à tout ça, donc qui se passera avant Toy Story 1, et ce sera sur le héros qui est parti dans l'histoire, le vrai Buzz l'éclair, sur qui on a fait des jouets et tout, et je vais pas vous mentir, j'ai très très peur, parce que j'ai l'impression que ça va être pas ouf. Et surtout qu'on a déjà eu un film, Buzz Éclair, qui expliquait que, en fait, Buzz Éclair, c'était une série de dessins animés, et en gros, ils ont sorti un jouet pour accompagner la série. Donc je vois pas pourquoi, finalement, faire un film sur Buzz Éclair, le vrai mec qui est parti dans l'espace, alors qu'on avait déjà une origine pour Buzz Éclair, c'était un personnage de dessin animé, quoi. Je comprends pas. Faut pas avoir le vertige, attention Buzz. Allez, la suite du coup. Je me permets de parler sur ces cinématiques-là, parce que c'est vraiment les cinématiques du film, et je pense que c'est beaucoup à avoir vu le film. Contrairement à The Last of Us ou quoi, je vais pas parler sur la cinématique, quoi. Tu as déjà vu la série, ça fait peur? Ouais, j'ai pas vu complètement la série, mais j'en ai vu quelques morceaux. Je trouve ça pas foufou, quoi. Le préquel, enfin, du coup, l'épisode 1, disons, de la série, ce serait Buzz l'éclair, le film, qui est plutôt cool, du coup. Mais ça se suffit pour comprendre... que Buzz l'éclair, c'est un personnage de dessin animé, et puis basta, quoi. Enfin, mais la série en elle-même, non, elle est pas folle. Me fait un peu chier en regardant, ça sent... Non, jamais vu Toy Story. Eh ben, tant mieux, comme ça, je parle et tu n'es pas spoilé par ce qui se passe dans le film, et tu pourras le regarder de toi-même. Donc, dans tous les cas, j'ai raison de parler. Ça, c'est pas dans le film, hein, clairement, par contre, Allez, putain, mais parle-moi! Putain, j'ai pas vu ce qu'il m'a dit. Salut Buzz, retrouve mes 5 jouets, petit bonhomme, et puis reviens me voir, je te donnerai un jeton Pizza Planet. Ok, ça marche. Alors. C'est un truc que j'aime bien aussi, qui se perd un peu dans les jeux. Ah, voilà, donc c'est dans ce niveau-là, je crois qu'il va nous donner... Je suis même pas sûr que ce soit les trucs... Non, c'est pas la même chose encore. Niveau 4, attention. Ouais. Salut, Buzz. Pour battre l'horrible boss marteau-piqueur, trouve mon œil et je te le donnerai. Je te donnerai le lance-disque, pardon. Le lance-disque.
faut offrir des pizzas directement. Mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu critiques le jeu? Il est très bien. Allez. Le contremaître a perdu ses ouvriers, petit bonhomme, il est là-bas. Mais je sais, je viens d'aller le voir. On regarde pas. Ça sert à rien. Oh mon dieu, le boss marteau-piqueur. Bah ouais, c'est pas rien quand même. Je sais pas. Imagine, t'es un jouet, il y a un boss marteau-piqueur. S'il te plaît. Bon, par contre, ces merdes-là, ça se tue ou c'est comment? Bah, je pense qu'il me faut justement le lance-disque. Hein, pour les tuer eux aussi. On va ça pour Bayonne. Ça rigole pas, mais bien sûr que non, ça ne rigole pas. Quand même. Ok. Donc là, il y a l'ascenseur, mais on va continuer à faire le tour parce que on aime bien explorer. C'est qui, c'est Inspecteur Gadget? Qui ça? Qui est Inspecteur Gadget? Il n'y a pas d'Inspecteur Gadget ici. Donc, putain, de quoi, pourquoi pas l'inspecter? Je comprends pas. Ah, parce qu'il a 30 trucs à ramasser avec Monsieur Patate, c'est ça? Je pense avoir compris. Du coup, pourquoi tu dis ça? Putain, le plus grand ennemi du jeu, c'est la caméra finalement. Oh, il a fait un bruit de lemmings. Putain, il est tombé comme un caca encore. Il me casse ses couilles à se casser la gueule. Tous les 5 minutes. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Je sais plus. Vos commentaires me perdent. Mais saute, sac à merde! Bon, le jeu PS Inspecteur Gadget. Quoi, le jeu PS? Mais je comprends rien de ce que tu... Putain, je comprends rien de ce que tu essaies de dire. Tu dis c'est qui, c'est Inspecteur Gadget? Tu dis le jeu PS1 Inspecteur Gadget? Je comprends rien, mais absolument rien. Puis le jeu de PS1 Inspecteur Gadget, il était tellement pas terrible. C'était un Bomberman en fait. Salut Buzz, si tu me rapportes 50 pièces, je te donnerai un don. Et je me suis fait chier à monter alors que c'était lui qui était en haut, j'avais pas vu. Ah, le jeu va freeze parce que j'autorise le commentaire. Sac à merde, que tu as rigolé. Laisse tomber, ok. Eh ben, je vais laisser tomber avec joie, très sincèrement. Parce que j'ai rien compris de ce que tu essayes de me... Putain, mais prends-la. Ah ouais, là, quand j'ai mon laser vert, ça rigole pas, hein. Désolé, je suis un petit peu le Terminator de chez Pixar. Ouais, je suis pas monté dans la caravane. Hein. Enfin, dans la caravane. C'est bien, c'est plutôt pratique ce niveau parce que tout se ressemble. Et même si je tombe, et eh ben je me fais pas mal. Allez, je me cache, je vais me faire un verre de lait. D'accord. Fais ce que tu veux, pas de soucis. Ah putain, mais. Mais putain! Allez, hop. On part sur un truc à base de couleurs, de méchants et de morve par terre. Ok. Bon. Je suis pas sûr de tout comprendre. Putain. Oh là là, c'est un sketch. Qu'est-ce qui est un sketch? Ah, mais... Parce que...
que le truc, c'est que j'ai un décalage avec le chat, c'est pour ça que je peux pas. Je ne peux malheureusement pas te savoir de quoi tu parles. Bon. Ok. Putain, mais la caméra, allô? On va revenir là. Putain, mais il m'a refait la même. Mais je vois plus rien! La phrase que je viens de te dire, MDR. Pourquoi c'est un sketch? C'est Kev Adams. Ah, d'accord. Ok. Il faut avoir des meilleures références humoristiques aussi, madame. Alors... Kev Adams, s'il a arrêté d'être drôle il y a très longtemps. Allez, grimpe. Voilà. Faut que je fasse quoi? Alors, si je mets de la peinture violette, j'ai de la peinture violette. Si je mets de l'orange, j'ai de l'orange. Et si je mets de la verre, j'ai de la verre. Ouais, ça me paraît violet. Allez. Ah non, ok. Il y a du rouge, il y a du... Je suis mauvais dans... Alors. Rouge. J'ai dit rouge. Ok, je suis pas dedans. Là, je suis dedans normalement. La première mort. Mais non, il n'y a pas de mort. Donc ça n'existe pas, c'est une légende. Allez, vas-y. Voilà, il est violet. Alors, maintenant, on va prendre des couleurs tous ensemble après avoir appris à compter sur Crash Bandicoot. Le bleu et le rouge, ça donne du violet. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Ils sont où les autres pots de peinture du coup? Parce que... Ah ok, c'est... ok, ça se vide. Logique. Maintenant, il nous faut du orange, les enfants. Pour du orange, je préconise de mettre du rouge que je vais mélanger au jaune. Je pense que ça me paraît pas trop mal. Voilà, nous avons du orange. Alors, là... Vous poussez jusqu'au bordel. C'est gagné. Oh là là, bah oui, bien sûr. Et maintenant, pour le vert, je pense que la meilleure combinaison possible à adopter est le bleu. Non, bah si, mais si, le bleu. Mélangé au jaune. Ça me paraît pas mal, moi. Oh, magie, mais bien sûr, mais... Il faut... Et le vert. Mais le vert, je viens de le faire devant toi, en fait. C'est le décalage du chat. Mais non, mais j'en veux pas. Si tu arrives à mélanger la peinture et la faire correspondre aux couleurs sur le panneau, tu obtiendras un zombie de la planète. C'était quand même pas facile, là. Bien sûr, continue à jouer. Tiens, intelligent. Ouais, je sais, mais là... si je l'ai... J'ai voulu vraiment faire ce moment devant vous, particulièrement celui-ci. Parce que je sais que beaucoup de monde ont coincé à ce moment du jeu. Ça a été la raison numéro 1. La première grosse difficulté que les gens ont rencontré dans le jeu, en fait. Ce qui a fait que ils ont abandonné et arrêté le jeu, tout simplement. C'est pour ça... Ça me semblait bien de... montrer ça en direct. Donc là, voilà. Là, nous sommes à 38 pièces et vu que vous savez qu'il nous en faut 50, ça veut dire qu'il nous en manque 12. Je... Actuellement, grâce à mes lives Twitch, je vais pas vous mentir, il y a Nickelodeon qui m'a contacté pour prendre la place de Dora, tout simplement. J'hésite encore un peu à signer. Les quadricolores, les quatre couleurs primaires, c'est beau, hein. Ouais, c'est ça. Les quatre couleurs primaires. C'est vrai que ça m'avait tué, ça. Par contre, là, j'ai la référence pour le coup. Ok, donc j'ai ramassé une Minx.
Qu'est-ce que tu as fait, mon grand? J'ai appuyé sur un bouton, mais je sais pas ce que j'ai fait. Hein. Ah, ok, il y a une tractopelle qui monte et qui descend là-bas. Est-ce que je peux l'atteindre de plus bas? Tiens, qu'est-ce que c'est haut? Perdu là un peu, par contre, j'avoue, je suis un peu perdu. Ah oui, je me rappelle plus de cette dame. Ah, zigzag! Aide-moi, gamin! À trouver 5 clés à écrou et à me. Mais putain, mais vous m'avez pris pour. Pourquoi en fait? Rapporté à temps, je te donnerai un jeton pizza planète. Ah putain, puis en plus, le salaud. Ah! Allez. Eh, c'est genre, il veut pas m'aider, hein, en plus, le salaud. Parce qu'on est potes, on a tous les deux le même objectif, mais non, c'est... Tiens, t'as un temps en plus, enculé. Mais par contre, blague à part, ces jeux-là, non, ça monte pas. J'en ai deux, mais... Où sont les autres, quoi? Ouais. Mais j'ai pas l'impression que c'était sur la plateforme sur laquelle j'ai commencé. Putain, mais nique-toi toi aussi. Oh, merde. Faut que je monte. Faut que je. Allô, faut que je fasse quoi? J'ai pas compris. Quelqu'un a compris? Pas moi. Bah oui, du coup, vas-y. Bah oui, bah me parle pas! Connard. Bah pour moi aussi, je pense qu'ils sont sur la plateforme, mais. Putain, la distance d'affichage est vraiment à chier ici. Ah ouais, putain. Non, regarde. Et. Je l'avais pas vu qu'il était roux sur roux. Enfin, roux sur roux. Je parle pas de la couleur de cheveux orangé, mais. En fait, c'est la distance d'affichage qui est dégueulasse. Là, par exemple, il est juste devant moi. Oh là, là il est devant moi, mais je le vois pas à cause de la distance d'affichage, simplement. Allez. Prends tes merdes. Ah, la distance d'affichage de merde. Ouais, il continue à jouer, bien sûr. Je sais pas combien je suis de pièces, savoir si je peux aller retourner voir Bayonne ou pas. Mais... Je vais essayer de monter... Oh putain. Ouais, oh putain, t'as vu la distance d'affichage? Ouais, lève-toi les panards. Je crois pas. Ouais, je crois pas que j'ai 50 pièces non plus. Mais du coup, là, je vais essayer de trouver l'ascenseur là que j'ai vu, voir si il fonctionne ou pas. Pour monter, avancer un peu quoi. Et là, je le vois pas. Allez, là. Enfin, décidément, la distance d'affichage. Non, je crois qu'il marche pas trop bien. Mais c'est pareil, ça là, j'ai pas fait ça pour rien. Je vois bien qu'il est monté le truc de la grue là. Enfin, de la grue. Une tractopelle. C'est pareil, il faut que je retrouve je sais plus quoi là, Monsieur Patate, pour lui rendre. Pour aller affronter le boss marteau piqueur. Allez. Ah mais putain de caméra. Ouais, t'es clairement pas caméraman. Aïe 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 aïe.
Mais putain, mais c'est incroyable! Qui fait peur? Le Topiqueur là? Marc Topiqueur, je veux dire. Topiqueur, c'est un Pokémon Topiqueur, rien à voir. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Je peux passer là, quoi. Bah oui. Bah alors, pourquoi tu l'as pas fait tout à l'heure, espèce de trou du cul? Aïe, aïe, aïe. À mon avis, je suis sur la bonne voie, là. Mais... ça rame du cul. Ah, je vous le dis, je pense pas qu'on va faire 2 heures, vu que... on a eu un jeu d'essai, juste avant. On va jouer encore une 30aine de minutes. Un peu moins. Puis on reprendra la semaine prochaine, hein, du coup, on s'est lancé là-dedans. Autant le faire. Putain. Allez. Bon. Par où c'est que je dois passer? Par là, bah voilà. Mais, putain, mais... bah, c'est pas possible, il y a un autre endroit, j'en sais rien. Allez. Allez, allez. La première fois que j'arrive en tuer un. Non, il prend la pièce. 42, effectivement, il m'en manque 8 pour Bayonne. Ah ouais, si, hein, je suis censé monter par là, hein, je suis en train de le revoir, mais... putain. Il est chiant, ce truc de merde. Allez. Je sais pas pourquoi je m'entête à sauter de là alors que c'est ici. Allez. Mais putain. Allez, saute. Ouais, bien joué. En fait, je pense que tout simplement. Voilà. C'est juste moi qui est stupide. Combien souvent? Bah allez. Alors attends, c'est pareil parce que si tout en haut il y a le truc que je dois rendre à Monsieur Patate. Bah oui, bah tu sauterais, connard. Si tout en haut il y a le truc à Monsieur Patate que je dois donner et qu'il y a le boss, il faut que je m'amuse à redescendre. Et à remonter, encore une fois. Même si je pense que l'ascenseur sera activé au bout d'un moment. Celui que j'ai pas pu prendre, là. Putain, et le mec, je lui demande de sauter, il se casse la gueule. Et il ose me dire, il n'y a pas de temps à perdre, quoi. Cué. Mais c'est... déjà, sur Eman, j'ai l'impression que j'avais ce problème-là. Avec le bouton de saut sur ma manette. Donc je sais pas si ça vient de ma manette ou quoi. Il y a des chances. Putain mais... allez. Allez. Super. Ok. Encore un Lemmings. Mais c'est la tractopelle de Ruben. Content de la prendre. J'ai un petit frère. Je dois... ce dessin animé me... m'emmerde très profondément.
Bon allez, reviens là, toi. Pardon. Désolé. Oula, ok, ça penche. Allez, allez. Allez, gamin. Oh oui. Ça vient de tous les côtés, je sais pas quoi prendre, quoi faire. Il y en a une là. Allez, tourne la caméra. Tourne la caméra. Tourne la caméra. Voilà, c'est bien. Ok, je pense que je vais prendre plus lui. Non, bah je pense que je vais prendre plus lui. Ou alors, j'ai un peu de... Ouais, je peux parcourir un peu de chemin en fait. Ouais, je suis très perturbé. Voilà, ça c'est fait. Excusez-moi, j'autorise un commentaire. Alors, The Freyo, ça va ma couille, ça va très bien, et toi? Hop. Ok, donc là, on peut aller voir... on peut aller voir El Bayonne. Ça a l'air d'être là. Ok. Merde, je me suis trompé de bouton. Ça va, tu vois, je passais juste faire coucou, pas de soucis. Aucun problème. Merci à toi d'être venu déjà. Oula, putain de caméra de... Merde. Ok, donc on a... Je pense qu'on va devoir redescendre, de toute façon. Ok. Est-ce que je prends le risque de redescendre maintenant pour faire mes trucs et putain, j'allais dire, je pense que je vais pas avoir chaud, mais si ça, il... je peux pas m'accrocher là-dessus. Non, bon bah ok. Non, je vais aller donner tout ce que j'ai à donner là. Je vais sauvegarder, puis je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Parce que beaucoup, tu as oublié une pièce. C'est pas grave. Je pense que... De toute façon, c'est trop tard. Il te manque pas un bonhomme. Si, il me manque un bonhomme, mais... Je vais donner... ce qu'il faut à Monsieur Patate. Et à Bayonne. Pour pouvoir... Par contre, je sais plus où il est, Monsieur Patate. Pour pouvoir sauvegarder et m'arrêter là, tout simplement. Parce qu'on a... Parce que j'en ai marre. J'en ai plein cul. Entre ce jeu, la caméra qui bug et tout, puis l'émulation qui est pas terrible sur certaines choses, puis le fait que j'ai pas pu faire le jeu que je devais faire de base. Allez, allez. Super, merci, Buse. Puisque tu as retrouvé mon œil, je te donne le lance-disque. Ça devrait t'aider à te débarrasser de tes ennemis les plus coriaces. Ok. C'est ça, j'imagine. Ok, ouais, c'est pas... Foulichon. Alors, je vais aller voir Bayonne pour lui donner les pièces.
Et on va s'arrêter là, tout simplement. Allez, petit. Attention, il y en a 10. Ouais, bah, de toute façon, je vais sauvegarder. Quand je recommencerai le niveau, je retrouverai d'autres. Putain, mais il me casse les couilles à pas sauter. Tiens, on va tailler le tour au passage. Je vous dis, c'est le bouton saut de ma manette, à mon avis. Je le dis, je le répète. Non, là, c'est juste moi, par contre. Allez, bien joué. Voilà. Ah, tiens, prends-les. Voilà ton jeton Pizza Planète. Merci bien, ma couille. Hop, quitter le niveau. Je sais pas si on reprendra dans ce niveau-là la prochaine fois, si on entamera la suite ou quoi. Je ne sais pas, je ne sais rien. Oui, je pense qu'on retournera dans ce niveau-là, vu qu'il reste que deux jetons à avoir. Magnifique, mais oui, bien sûr que c'est magnifique. Je sauvegarde. Allez. Donc voilà, écoutez. Je m'arrête ici pour ce let's play sur Toy Story 2 du coup, et non sur les Simpsons, malheureusement. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche prochain, 19h, pour la suite de Toy Story, du coup. Le marteau piqueur, une horreur. Ah ouais? Je t'avoue que j'ai aucun souvenir du jeu, je me suis rappelé du premier niveau, mais après, c'est un petit peu le trou noir. Mais de toute façon, je te dis, je vais faire ça la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on revient là-dessus. Sinon, lundi 20h30, on reprend le let's play sur WWE 2K Battlegrounds. Parce que c'était rigolo. Mercredi, pas de soirée Fortnite pour le coup, vu que ce sera pas possible. Je vais faire du The Last of Us. Le marteau piqueur, une horreur, trauma d'enfance avec la cam. Ouais, la cam. La cam m'a fait réveiller de mauvais souvenirs, là, je t'avoue. Je suis d'accord avec toi. Et ouais, le marteau piqueur, je me souviens plus des boss, à part du dernier, là, Petit Pépite. Et marteau piqueur, non, je t'avoue, je me souviens absolument pas. Mais je sais que la cam, ouais, je me rappelais pas qu'elle était autant hardcore que ça quand j'y ai joué. Mais bon, bah, de toute façon, on verra ça semaine prochaine. Donc je disais, ouais, The Last of Us, mercredi. 20h30 jusque 23h30 du coup, le bon vieux Crash Bandicoot 4 le jeudi, oui c'est ça, jeudi à 21h, on va encore s'amuser. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, et surtout, ne vous amusez plus. Allez, bisous à tous.